La youtubeuse Emma Kakeku annonce le retour de Jurong Star, il s'exprimera bientôt. Dans une interview accordée au Figaro, la youtubeuse Emma Kakeku, très amie avec Jurong Star, annonce le grand retour du chroniqueur d'ici peu. Janvier 2018. Jurong Star, blogueur spécialiste de la télé-réalité et chroniqueur des Terriens du Dimanche, C8, est touché par de graves accusations d'attouchement sur mineurs. C'est Akabab, un ennemi de l'influenceur, qui a expliqué qu'il aurait servi d'appât pour de jeunes mineurs en échange de rapports sexuels avec Pascal Cardona, alias Babybel. Le 22 janvier dernier, un étudiant de 18 ans a porté plainte pour viol sur mineur à l'encontre des deux amis. Ils sont aussi visés par des faits de corruption de mineurs, agression sexuelle et de recours à la prostitution. Depuis, Jurong Star n'a rien publié d'autre sur les réseaux sociaux que deux communiqués. Pas une apparition télé, pas une vidéo, pas un article sur son blog. Même pas une story Snapchat, où plus de 800 000 personnes suivaient ses aventures quotidiennement. Mais ses fans viennent d'avoir de ses nouvelles, ce vendredi. C'est l'une de ses amies, la youtubeuse Emma Kakeku, qui livre quelques informations à ce sujet, dans une interview accordée au Figaro. Questionnée sur la polémique, elle explique « Je ne m'exprimerai pas sur l'affaire, car c'est entre les mains de la justice. Je n'ai pas le droit d'en parler. Avant de donner plus de détails, je suis en très bon terme avec Jurong Star, nœud de la rédaction. On se voit très souvent, beaucoup plus qu'avant d'ailleurs. Avant, on se voyait une fois tous les trois mois et depuis cette affaire, on s'est énormément rapprochés. » Sachant qu'il ne poste plus rien sur Snapchat, je fais pareil quand je suis avec lui. La jeune femme aura quand même lâché une information capitale, celle du retour imminent de Jurong Star. Il s'exprimera bientôt, il va revenir. Je n'en dirai pas plus car c'est à lui de s'exprimer sur tout ça, a-t-elle confié au Figaro. Ses fans seront-ils toujours au rendez-vous ?